Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, à l'émission Zoom Appalaches, j'ai le plaisir de recevoir M. Maurice Boulet, qui est bien connu dans la communauté. Aujourd'hui, on va parler avec M. Boulet du Conseil des aînés de la MRC des Appalaches. Bonjour, M. Boulet. Bonjour, madame. Ça va bien? Allez-vous bien? Oui, ça va très bien, madame. Et on se parle, on a assez de choses à se dire. Écoutez, vous m'avez donné, en arrivant, votre nouveau dépliant. C'est le nouveau dépliant du Conseil des aînés. C'est ça, c'est un dépliant corporatif qui situe bien notre organisation. OK. Et à l'intérieur, vraiment, vous avez une bonne explication du rôle, des valeurs, des enjeux du Conseil des aînés. Et on a aussi les numéros de téléphone pour rejoindre les membres du Conseil d'administration. Maintenant, m'avez dit d'entrée de jeu que les mots « information »,« concertation »,« collaboration » et « valorisation » sont importants pour le Conseil des aînés. Pourquoi? Bon, parce que, entre autres, en fonction de notre mission, qui est ensemble pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées sur le territoire, donc ensemble, ça prend de la concertation pour arriver, ça prend de l'information, et ça prend, pour garder des bénévoles, ça prend de la valorisation. Ça, c'est trois éléments majeurs. Il y en a une quatrième, qui est la collaboration. Et à ce niveau-là également, là, si on regarde la journée bien vieillir qu'on vient de passer, il y avait une collaboration excellente. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités là, pour les aînés dans la MRC. Il y a la FADOC, il y a le Conseil des aînés. Je peux-tu savoir c'est quoi la différence entre les deux? C'est sensiblement la même, parce qu'on vit le même élément, la qualité de vie des aînés. Mm-hmm. Il y en a qui regroupent plus des gens pour des activités plus récréatives. Nous, c'est orienté davantage sur la diffusion d'informations. Donc, vous avez effectivement un bulletin que nous recevons ici à la TVCRA, le fameux bulletin Génération 50+. Oui, c'est une réalisation de Maurice Grégoire en collaboration avec quelques membres. Et il est publié à une fréquence environ 15 jours. Oh oui, c'est très régulier. Là. Il est diffusé par Internet. Et on souhaite que les gens qui le reçoivent le redistribuent à d'autres. Il est distribué aussi avec la Société de développement économique. Oui. Et il y a d'autres partenaires qui font la même chose. On regarde l'action volontaire lorsqu'il reçoit notre bulletin. Il le diffuse à tous ses bénévoles. Oh, donc vous avez un bon réseau de diffusion de l'information. C'est ça. C'est toujours des sujets d'actualité là, pour permettre aux gens d'avoir leur juste. Qu'est-ce qui se passe au niveau des aînés? On a également une section qui s'appelle les événements. Pour informer, puis les collaborateurs nous donnent les informations sur leur activité. Et à ce moment-là, on s'assure de diffuser le mieux possible. Et à l'occasion, on fait un article pour définir ou préciser davantage les services d'un organisme partenaire. Parce que les aînés ont besoin d'informations. Ils ont besoin d'être informés sur quoi? Sur beaucoup de choses. Oui. Sur tous ces services aux aînés. Où on va les chercher, où ils sont, comment on peut les obtenir. Et puis, je veux dire, à l'occasion, c'est est-ce que les gens peuvent nous aider directement, nous accompagner dans notre situation? On a parlé aussi, votre mission, agir ensemble pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées sur le territoire de la MRC des Appalaches. Mais de ça découlent des enjeux qu'on doit nommer, là. Puis j'aimerais ça que vous m'en parliez parce qu'il y en a qui sont particulièrement importants pour vous. Entre autres, la qualité de vie des personnes aînées qui vivent à domicile. Nous, par domicile, on entend un local dans lequel on dispose d'une clé pour entrer. Donc, que ce soit un office municipal d'habitation, je veux dire, il y a juste des résidences pour les CHSLD qui, les gens, n'ont pas de clé. Les autres, même les résidences pour les personnes aînées, ils ont les clés, donc c'est leur domicile propre. Ils sont autonomes à l'intérieur de leur domicile. L'autre élément, c'est l'accessibilité aux soins de santé. Oui. On diffuse régulièrement des informations sur les services qui sont rendus par le réseau. Les aînés vulnérables aussi nous interpellent beaucoup. Les personnes isolées, fragilisées, qui demeurent seules chez soi, qui n'ont pas nécessairement toujours de la visite, qui ignorent les qualités, les services qui peuvent être disponibles pour eux. Et est-ce qu'on a une forte proportion d'aînés vulnérables sur le territoire? C'est difficile à savoir, ça. C'est... Parce que vous avez un programme que je trouve extraordinaire, là. Ce sont les deux travailleurs de milieu là, qui vont rencontrer directement sur le terrain les aînés en situation de vulnérabilité. Là. Vous avez c'est un service qui est offert, qui est confidentiel et gratuit.
Oui, on a deux personnes qui desservent le territoire. Brigitte dessert partir plutôt la partie sud de la MRC, donc c'est l'axe de la 267 qui est la ligne des partages, ou la rue Saint-Alphonse à Tête-Forme. Et actuellement, il y a Geneviève qui, elle, dessert la partie nord de Saint-Jacques-de-Lille, d'Isbreton, Attitoc et la ville de Tête-Forme avec la départagée par la rue Saint-Alphonse. Parce que ces deux filles-là sont occupées, hein? sont pas mal occupées. Je les vois à l'occasion, puis ils ont plusieurs dossiers en cours. Je vais montrer votre affiche à l'écran. Je ne sais pas si Luc va pouvoir zoomer un petit peu. Elle est très, très jolie. Et puis, c'est ça. Brigitte et Geneviève sont toujours très occupées, là. C'est ça. Mais pour elles, l'être encore, parce que l'élément qu'on compte sur vous, les gens qui constatent dans votre voisinage qu'il y a quelqu'un, il me semble que sa situation de vie n'est pas nécessairement confortable, ils ont simplement nous appeler. Donc, en étant confidentiels, ils n'ont pas besoin de dénoncer. Ils font juste nous repérer des personnes. Et nous, on y va les rencontrer d'une façon peut-être un peu particulière, je veux dire. Puis on essaie d'avoir un peu d'informations. On essaie de voir c'est quoi le besoin, s'ils ont besoin de l'aide. Si on aussi du voisinage s'occupe d'eux, et à partir de là, on les accompagne vers les services. Et puis, je vais vous dire, j'ai une question là, comme ça, là, de quoi, à partir de quel âge on est un aîné? Bien, la FADOC, c'est à 50 ans, il y en a d'autres, c'est à 65 ans, ça dépend où on va. Et au Conseil des aînés, à partir de quel âge on est aîné? En principe, on peut dire que tant qu'on a franchi la soixantaine, on peut être un aîné, même avant, mais ça dépend toujours de notre situation. Il y a des gens qui, à 50 ans, sont vieux. Donc, à ce moment-là, je veux dire, on le considère comme aîné. Il y en a 70 qui se sentent encore jeunes. Ça dépend de notre propre perception, dans le fond, c'est si ça. On se considère ou non. Mais s'il y a quelqu'un de votre voisinage que vous trouvez, il me semble que sa vie n'est pas nécessairement confortable, gênez-vous pas, l'âge ne nous dérange pas. On parle de l'âge gérontologique. Mm-hmm. Donc, c'est un mot scientifique, mais je veux dire à peu près des gens ont une qualité de vie ou un comportement à peu près de l'équivalent d'une personne de 60 ou 65 ans. Oui, bon. OK. Et puis, si on continue au niveau de vos enjeux, la reconnaissance et la valorisation du bénévolat chez les aînés. Et je vais vous dire que je l'aime, cet enjeu-là, parce que les aînés font énormément de bénévolat. Il y en a que c'est réellement des missionnaires. Oui, hein? Et puis nous, on s'empresse de le faire parce qu'une problématique actuellement, c'est le recrutement. On a la difficulté à trouver des remplaçants. Oui. Donc, parce à un moment donné, les aînés s'épuisent. Il faut leur offrir, à un moment donné, des éléments de qualité. Il faut les reconnaître. Il faut leur dire merci à l'occasion. Et à ce moment-là, on est un promoteur des distinctions honorifiques. Depuis des années 2002, on fait on fait connaître les différentes distinctions honorifiques. On aide même des gens à présenter des gros dossiers de candidature. Et notre plus grand plaisir, c'est de les accompagner lors des cérémoniales qui se tiennent à leur égard. Et je peux vous dire que c'est un élément marquant. C'est la meilleure façon de remercier quelqu'un, c'est de lui faire avoir, par exemple, le prix Hommage Bénévolat Québec, le prix Hommage à une personne aînée, la médaille du lieutenant-gouverneur, la médaille du souverain pour les aînés. Donc, il y a eu aussi des os aînés solidaires. Je pense que Monet, ça le touche, je veux dire, d'une façon émotionnelle, d'une façon importante, et c'est apprécié. Et l'autre élément, ça fait reconnaître aussi l'organisation. D'ailleurs, il y a notre animateur, Pierre Sévigny, qui a été lauréat de la médaille d'argent du lieutenant-gouverneur, je crois. C'est ça, c'est une médaille pour les aînés. Pour les aînés. L'an passé, il y en a eu une vingtaine dans le territoire. Ah oui! Je peux vous dire qu'à peu près 40 % des remises de médailles pour du lieutenant-gouverneur pour aîné de la région de Chaudière-Appalaches, c'est des gens d'ici. Ah, mais il y a des gens qui font la promotion, puis il y a des gens qui prennent ça à cœur de reconnaître les personnes en disant « Je vais déposer ton dossier de candidature. » Et le soutien aux proches aidants aussi, c'est un enjeu pour vous. Oui, parce que la date, on a fait un colloque en 2008, je pense, à l'écoute du proche aidant. Il y a une organisation importante qui s'est mise en branle et je pense que le 11 octobre, il y a des gens d'ici qui vont avoir un prix d'excellence de la santé et des services sociaux, Chaudière-Appalaches. Ces proches aidants, c'est souvent un époux ou ça peut même être un enfant d'une personne aînée ou de. On parle d'un proche aidant dans tous les sens du terme, là. Habituellement, c'est un proche immédiat, mais il peut y avoir des gens du voisinage aussi qui s'en occupent à ce moment-là. Mais il faut faire attention, c'est dangereux, très dangereux de s'épuiser. Oui. Donc, il faut demander de l'aide.
Et il faut prendre l'aide au niveau de l'organisation, comme l'Action volontaire, par exemple, est un organisme d'aide. Effectivement. Et vous avez un administrateur qui est le représentant de l'Action volontaire, justement, oui, sur votre... Oui, Richard Fortier est avec nous, le directeur. Puis, je vais vous dire, dans les enjeux, la lutte contre l'abus et la maltraitance, y compris l'exploitation financière. Je vais vous dire que ça me choque un peu, je sais bien qu'il y en a partout, mais... C'est très présent dans la MRC? C'est très présent ici? Bien là, je ne peux pas vous dire que c'est présent, parce qu'il y a toujours des choses cachées, ça. Oui. Les gens sont gênés de le dire. Mm-hmm. Et actuellement, il y a un comité, le CIS a mis un comité en place pour aider les gens à toute nature pour contrer les abus de maltraitants. Mais c'est difficile, parce que les gens, je veux dire, ne se manifestent pas. Oui. Puis ils ont des pressions pour ne pas le dire. Et on a juste à voir, je veux dire, les derniers jours du mois, il y a des gens qui reçoivent une visite par mois. Et je pense peut-être que c'est l'exploitation financière, je dis peut-être, là. Ah oui. C'est un peu triste de penser que ça se passe si près de chez nous, pareil. C'est très malheureux, madame. C'est très malheureux, effectivement. Et finalement, en bout de ligne, dans les enjeux de la participation sociale des aînés à la vie de la collectivité, je pense que c'est important parce qu'on a un très haut taux d'aînés dans la MRC. Hein? Bon, c'est tout près de 20. Il faut qu'ils soient présents. C'est à peu près 27 %. C'est un peu ça le rôle des organismes communautaires, sociaux communautaires. Je prends les ardeurs, je prends les fermières, je veux dire... Il y a beaucoup d'organisations de regroupement où les gens se trouvent une dimension sociale, que ce soit également les filles d'Isabelle. Je pense que moi, ces gens-là jouent des éléments, un rôle important dans la société pour permettre à des gens, je ne les nommerai pas tous, il peut en avoir dans le culturel aussi, pour permettre aux gens d'échanger entre eux, puis de sentir, à un moment donné, de peut-être contrer un peu l'isolement en faisant cette activité-là. Même dans les résidences personnes âgées, il y a beaucoup d'activités aussi pour développer cet aspect social-là. Est-ce que vous avez des membres au Conseil des aînés? Oui. Actuellement, on a 36 organisations membres, des corporations. OK. Donc, vous avez des membres qui sont des organisations. C'est ça. Donc, vous êtes un organisme vraiment représentatif des organismes des aînés. C'est ça. On regroupe 36 organisations dont leur mission, c'est les aînés. Oui. Aider les aînés, défendre les droits des aînés. Et on a quelques membres individuels qui peuvent se joindre à nous. Et notre Assemblée générale est bientôt, mais en oui, fait... Oui, c'est quand, votre Assemblée générale? Nous, c'est le 23 octobre. 23 octobre. Bon, c'est bientôt. Ça aura lieu à quel endroit? C'est au club Le Marquis des Chevaliers de Colomb à Black Lake. Ce sera divisé en deux parties. La première partie, c'est qu'il y a une offre de formation pour les bénévoles. Ah, donc vous avez une formation en premier lieu, et par la suite, vous faites votre Assemblée générale. Une offre de formation. Une offre de formation. C'est ça, parce que le CAB, le Centre d'action bénévole de... Bellechasse, Lévis, Lobinière, ils sont spécialisés là-dedans. Donc, ils vont venir offrir l'opportunité aux organismes qui interviennent, dont les bénévoles interviennent auprès des aînés, d'obtenir une formation. Et c'est eux autres qui vont déterminer l'organisme, pardon, l'action volontaire, qui va déterminer si c'est au niveau du recrutement, de l'accueil ou de la fidélisation. Et à partir de ce constat-là, ils vont essayer d'approfondir le sujet pour être en mesure, par exemple, de favoriser davantage le recrutement. On leur donne des outils. Oh, alors vous avez vraiment un rôle de formation, information. Bien, c'est une préoccupation. Oui. Ce n'est pas notre rôle, parce qu'il y a un CAB, Garbé-Beaulac, qui est sa responsabilité première. C'est quoi un CAB? Le Centre d'action bénévole. Le Centre d'action bénévole. Beaulac-Garbé. Eux autres, il y a un rôle à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais nous, on croyait que c'était important d'insister là-dessus. Et il y avait eu une consultation par la table de concertation des aînés en 2012 pour voir, à un moment donné, la situation au niveau du bénévolat, les préoccupations, surtout en soutien à domicile. Et on avait identifié ces éléments faibles-là. Et il s'est développé un programme avec l'Institut de vieillissement et de participation sociale de Québec. Et finalement, c'est en déploiement sur le territoire. C'est tout un monde. Vous avez une vision d'ensemble de la situation des aînés. C'est tout un monde, là, qui tu sais, la vie n'arrête pas à 50 ans, hein? Non. La vie commence à 50 ans? Bien, regardez, moi, depuis ma retraite, ça fait 17 ans que je travaille bénévolement. Nous, on a un bénévole ici qui dit que depuis qu'il est à la retraite, il n'y a plus de vacances. C'est votre cas, j'imagine. Oui, pratiquement. Au niveau des réalisations du Conseil des aînés, je pense que vous en avez beaucoup à nous dire, là. Bien, nous, notre mission principale ou notre orientation principale, c'est l'information. Donc, au niveau d'information, on a produit des documents de référence importants. Oui, il y en a un ici, d'ailleurs, là.
Là, on l'avait en 2010, c'était notre cinquième révision. Cette année, on a fait la sixième révision, donc ça a repris, c'est les révisions 2018. Mm-hmm. Celui-là, ça, j'ai entre les mains, j'ai l'exemplaire de 2017, mais il vient d'apparaître le nouveau de 2018. C'est là. Ça. Celui-là, il est diffusé exclusivement sur des sites Internet oui. de la Ville et de la MRC. Donc, vous avez, si vous mettez la main sur la feuille, je veux dire... Oui, c'est ça, vous me l'avez écrit. Là. Sur le site de la MRC, c'est au www.mrcdesappalaches.com, sous l'onglet « Service », barre oblique « Service aux aînés ». Et à la ville de Thetford Mines, c'est www.villethetford.ca, onglet Vivre à Thetford, barre oblique Les aînés. Et bien entendu, c'est sur votre page Facebook, là, le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches. C'est ça. En fait, il y a deux autres volumes qui viennent se joindre à ça. On a fait un manuel d'accompagnement soins palliatifs et fin de vie en 2015. C'est toujours au niveau d'actualité. Il y a juste les organismes, les coordonnées d'organismes qui ont pu avoir changé. Et on a un autre au niveau de guide d'accompagnement à l'écoute du proche aidant. Donc, c'est un autre document de référence que les gens en situation de proche aidant peuvent avoir, en faire une lecture attentive. Et finalement, ce qu'on leur dit, entre autres, n'oubliez pas de demander de l'aide, c'est important. Et accompagnement de soins palliatifs fin de vie, ben, c'est une problématique particulière aussi. Oui, tout à fait. Mais... Moi, je regarde ça, M. Boulet, vous me dites que c'est sur l'édition 2018 du répertoire des services pour les aînés est en ligne uniquement, le 2018. C'est ça. Est-ce qu'on a des aînés branchés dans la MRC? Bien, là-dessus, il y a une étude qui a été faite par le Réseau d'information des aînés du Québec au cours du printemps. Et ils ont déterminé que 48 % des aînés de 65 ans inclus, les 65 ans inclus, étaient branchés, 48 % Sauf que tant qu'on le publie, je veux dire, à un moment donné, c'est, même si on fait beaucoup d'informations, les gens ne viennent pas le chercher. Fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec des inventaires. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on vous dit, mais quelqu'un de votre entourage, s'il regarde l'ordre de l'index un peu alphabétique, ils vont retrouver les organisations et à partir de ça, on peut toujours demander de l'aide pour dire on peut l'imprimer. Et au pire, nos travailleuses de milieu, eux autres, à un moment donné, ont la responsabilité de le faire connaître. Et ce document-là est utile aussi à toutes les organisations, n'importe quelles, parce que ce n'est pas juste l'information sur ce qui se passe chez nous. Si on prend, par exemple, on a mis en ligne, par exemple, directive médicale anticipée en cas d'inaptitude, je veux dire, c'est quand même important. On a le mandat de protection, c'est quand même des choses. En prenant ces pages-là, vous avez juste à cliquer et vous allez arriver directement sur les sites Internet. Puis, c'est pas simplement, c'est des organismes qui viennent en aide aux aînés, mais pas uniquement les aînés. Donc, c'est une ressource pour tout le monde dans la MRC. Regardez, je suis à la page ici de la Croisée. La Croisée vient en aide à des personnes de tous âges, là. Ben, c'est ça. Mais en partie, c'est tous âges, les aînés sont inclus. Les aînés sont inclus, exactement. L'important, c'est de préciser le rôle de chacun. Oui. Souvent, on ne sait pas. On n'est pas capable de distinguer, par exemple, entre l'action communautaire, l'association de l'action volontaire et la coopérative de services à domicile. Je veux dire, c'est quand même important de le voir, de voir ces distinctions-là. Le rôle du CIS, du Centre de santé et de services sociaux, comment ça se passe sur le territoire de la MRC et des Appalaches? C'est différent d'ailleurs. Si on voit Lévis, puis ici, les types d'interventions sont différents. Donc, c'est un peu une carte routière, un GPS d'informations où les gens puissent aller puiser pour avoir cette information-là. Malheureusement, on ne peut pas la publier en papier parce que les gens, on va dire, sont gênés de venir le chercher. Mais j'ai quasiment le goût de vous le voler, lui-là, là, par exemple. Ouais. On vous le donnera, madame. À l'occasion, on en dit à quelqu'un. Et puis, on a parlé de la mission, des enjeux, de la réalisation, mais vous faites de la représentation beaucoup pour les aînés. Oui, finalement, il faut juste pas. Si on travaille ça en interne, ça ne bouge pas beaucoup. Non, c'est ça. Il faut aller à l'extérieur. Moi, personnellement, je suis conseiller d'administration de la table de concertation des aînés depuis 2003. Cette table de concertation-là, elle est dans la Chaudière-Appalaches. Donc, on a aussi des mouvements de représentation. Maurice Grégoire partage aussi un rôle d'administrateur à ce niveau-là. Et on essaye d'influencer les gens vers l'organisation nationale pour leur dire il y a des choses qui se présentent. Même moi, j'ai été à la conférence des tables au Québec, à 18 tables, et j'étais le vice-président. Et je veux dire, Mme Marguerite Blake vient d'être élue, j'ai eu l'occasion de la croiser souvent dans toute sa politique, vivre et vieillir chez soi, dans sa communauté.
Et il y a des éléments, des programmes qui sont développés. Entre autres, j'ai travaillé sur le programme travailleuse de milieu ou travailleurs de milieu au niveau du développement du programme. Donc, à un moment donné, on essaie de se brancher de plus en plus. On est présent aussi, on rencontre régulièrement le CIS, donc le Centre de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, de la partie aînée, là, pour voir qu'est-ce qui se passe, puis revendiquer des choses. Et aussi, on interpelle régulièrement la MRC aussi. Et justement, vous venez de le mentionner, on a un nouveau gouvernement depuis quelques jours, là. Quelles seraient, selon vous, les préoccupations que le nouveau gouvernement devrait avoir face aux aînés? Bien, moi, je pense qu'il y a un élément qui a toujours été absent un peu, c'est le respect. Comment on peut respecter les aînés, puis comment on peut favoriser l'entraide? Ça, il y a plusieurs mesures actuellement d'entraide qui pourraient être avancées. Mieux soutenir les organisations, par exemple. C'est une façon d'entraide. Amener les gens à avoir une certaine culture d'entraide aussi. Ça fait que... Puis il y a des programmes aussi à développer. Là. Je veux dire, on parlait de la maison des aînés, des maisons des aînés, mais ça doit dépasser ça, parce que sur des bâtiments, des fois, ça prend du temps. Mais il y a des programmes immédiats qui peuvent être donnés. Par exemple, mieux supporter le programme travailleuses de milieu. Est-ce qu'on est les seuls, les travailleuses de milieu, là, est-ce que c'est partout au Québec ou si vraiment on est précurseurs dans ce programme-là? Ben, à un moment donné, il y en avait 69 au Québec. Là, il y en a 138, mais tout nouveau, là, je veux dire, d'ajouter une autre. Est-ce qu'on a été dans les premiers à avoir des travailleurs de milieu? Je pense qu'on était assez précurseurs dans la région. Ben, on était assez avancés. Ben, oui. Ben, j'ai travaillé sur la conception du programme, quelque temps que j'ai vu apparaître. Oui, vous êtes tout de suite rentré dans... J'ai fait des représentations. Il n'y a pas d'organisme qui voulait le prendre en main. Donc, on a dit que le Conseil des aînés va le prendre en main pour lancer l'initiative. Et je peux vous dire qu'actuellement, notre programme de travailleurs de milieu, il est très performant. Oui. Bien, écoutez, je trouve que ça... Il nous reste à peine 3-4 minutes. Je trouve que c'est important d'en parler parce que Brigitte et Geneviève travaillent. Bien, on les voit souvent. Elles sont... vous avez un bureau ici au Centre Marie-Agnès Desrosiers et on les croise dans les corridors. Et elles sont... C'est un peu triste aussi de dire ça parce qu'elles sont très occupées. Donc, elles s'occupent des aînés vulnérables et elles sont très occupées. Donc, on se dit, bien, il doit y avoir beaucoup d'aînés vulnérables. Mais d'un autre côté, on est chanceux de les avoir parce que ces aînés, on les sort d'une certaine façon de cette situation difficile dans laquelle ils vivent. Donc, on est privilégié de les avoir. Mais il y a un contexte aussi. Si vous voulez utiliser le centre de santé, il faut que vous signiez. Faites une signature comme toi, que vous l'acceptez. Mm-hmm. Et les gens, ils ont une réticence à ça. Les personnes âgées, ont tendance à dire « on ne signe rien ». Donc, à partir de ça, nous, on y va, je veux dire, on ne lui demande pas de signature, ils nous situent le problème, on essaie de les aider sans aucun engagement. Oui, et c'est un service confidentiel et gratuit, c'est vrai, vous me l'avez dit. Et on quitte au moment où la personne dit, soit elle est bien branchée avec le réseau de la santé, ou elle dit, j'ai satisfait, ou des membres de la famille viennent s'en occuper. Alors, pour rejoindre les travailleuses de milieu, on n'a qu'à aller sur votre page Facebook, j'imagine. Les numéros de téléphone sont là. Ou c'est indiqué dans le dépliant, les numéros des deux travailleuses de milieu. Brigitte Lagacé au 418-332-7358 et Geneviève au 418-332-5606. Et régulièrement, madame, on fait connaître une publicité dans le courrier Frontenac pour rappeler, parce que c'est quand même assez lu, de rappeler ces numéros-là d'une façon régulière, parce que les gens ont tendance à oublier le numéro. Et on va donner le vote en terminant. Mmh. Alors, pour toutes les informations relatives au Conseil des aînés, on peut communiquer directement avec vous. Vous avez un bon répondeur. Je suis très présent chez nous, madame. Alors, on peut rejoindre Maurice Boulet, président du Conseil des aînés, au 418-335-2533. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres. Il y a tellement de choses à voir, à dire et à faire pour améliorer les conditions de vie, la participation des aînés au milieu. Merci beaucoup, M. Boulet. Merci de votre entrevue, madame. Et on va sûrement se revoir. Vous avez tellement de choses à dire, on va sûrement se revoir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente fin de soirée et soyez parmi nous la semaine prochaine pour une autre émission de Zoom Appalaches. Thank you.